great is it that we get to tell everybody how Liberty Mutual customizes your car insurance? Amen, so amen, amen. Soyez bénis, nous commençons déjà notre live. Infiniment, abondamment, et au-delà de tout ce que tu vois. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Là, ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Chantons ensemble et commençons à partager, à inviter les amis. Nous sommes en train de proclamer que Dieu est capable de faire. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous sommes en train de nous connecter, commençons à inviter les amis et à partager. Le ciel est ouvert ce soir. Dieu est capable. Capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Dans ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Si tu crois avec moi que Dieu va faire, tu crois avec moi que Dieu va faire des choses qu'il t'a promis, chante et célèbre avec moi. Nous sommes en train de commencer notre programme. Tu peux inviter les amis et célébrer avec nous. Alléluia. Déclare avec moi, il fera. Déclare-le, il va le faire. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Thank you.
il est abandonné. Voilà, nous sommes en train de commencer notre programme. Nous le commençons avec cette chanson. Invitons les amis, partageons. Invitons les amis maintenant. Disons-leur, Dieu est capable de faire. Waouh, 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 waouh. À vous tous qui croyez que Dieu est capable de faire, vous êtes déjà nombreux sur Instagram, vous êtes nombreux sur Facebook, commencez à célébrer avec moi, il va le faire. Si tu veux taper tes mains, acclamer le roi, fais-le avec joie, proclame que Dieu va le faire. Alors que je suis en train de rentrer cette chanson, pendant quelques minutes, je voudrais que nous puissions célébrer Dieu ensemble. Excusez-moi, je dois faire partie de cette publicité. Voilà. Je voudrais que nous puissions célébrer Dieu. Vous êtes déjà à plus de 600. Nous sommes en train d'inviter les amis. Nous sommes en train de partager avant de commencer ce programme. Dieu va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui. Si tu crois que Dieu est infiniment grand, infiniment puissant, il est capable, il est capable. Je voudrais que tu le loues. Je voudrais que tu chantes. Je voudrais que tu acclames. Je voudrais que tu célèbres. Tout ce que tu demandes. Puissance. Il agit. Dieu agit. On y va. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Célébrez avec moi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Invitons les amis, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Alors que tu es en train de célébrer, crois que Dieu est capable. Quels que soient les moments que tu es en train de traverser, quels que soient les défis qui sont devant toi, je veux que tu chantes avec moi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il est capable de faire. Alors que nous sommes en train de partager, nous sommes en train d'inviter les amis, nous sommes déjà à plus de 700 sur Facebook. Montons, invitons les frères, invitons les sœurs. Disons-leur qu'il est 21h, c'est notre moment de prière. Come on! Que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà à plus de 700 sur Facebook. Vous êtes presque à 200 sur Instagram. Partageons, partageons. Invitons les amis, nous voulons prendre ce petit moment en prière comme d'habitude. C'est déjà le week-end. Nous sommes en train de célébrer ce Dieu qui accomplira les promesses qu'il nous a faites. Come on. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Come on. Invite les autres. Le ciel est ouvert et Dieu va nous faire du bien encore une fois ce soir. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à chanter et à déclarer qu'il va le faire? Oh, 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 il fera. Pendant que tu chantes,
que les démons l'entendent, que tes ennemis l'entendent, que les personnes qui te combattent l'entendent. Déclare, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Oh, oh, il fera. Come on, come on, come on. Vas-y, déclare-le, il va le faire, il va le faire. Oh, il fera. He's able. Il est capable, il est capable, il est capable. Il fera. Il fera. Ce qu'il promet, il va le faire. Il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Est-ce que pendant que tu te connectes, tu crois que Dieu est capable? Des cris de joie en célébrant le Seigneur. Pousse des cris de célébration. Il fera. Waouh! Je veux dire que nous célébrons Dieu. Bonsoir à tout le monde. Nous sommes déjà en train de passer en même temps sur Facebook, en même temps nous sommes en train de passer sur Instagram. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes déjà à plus de 800 sur Facebook. Bientôt là on sera au-delà de 1000. Regardez toutes les personnes qui ont l'habitude de prier avec nous qui ne sont pas encore en ligne et commençons à partager. Père, je voudrais te bénir et te recommander ce moment de prière entre tes mains. Bénis chacun de nous, bénis ces milliers de personnes qui sont connectés à ce programme au nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous venons de commencer ce programme avec cette chanson. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Je commence avec cette chanson pour redonner de l'espérance à quelqu'un, pour redonner de la foi à quelqu'un. Garde seulement ta foi en Dieu. Dieu est capable, he's able. Il est capable de te donner, il est capable de te faire sortir de cette situation, il est capable de t'aider, il est capable d'aider ta famille, il est capable de t'aider dans cette situation qui te dérange. Dieu est capable. Alors que tu es en train de commencer ce live, alors que tu es en train d'inviter les amis, tu es en train de partager et d'inviter tous ceux qui ont l'habitude de prier avec nous, n'oublie pas cette phrase jusqu'à la fin. Dieu est capable. Il est capable de te donner ces enfants que tu attends, ça fait des mois, des années. Il est capable de te donner ce travail que tu attends, ça fait quelques jours. Dieu est capable. Il est capable de guérir cette personne malade de votre famille, même si elle fait la dépression, elle est au bord de la folie. Dieu est capable. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Ce que la médecine ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que les présidents des républiques ne peuvent pas faire, Dieu est capable de le faire. Est-ce que tu crois à ça? Je commence par te donner une bonne nouvelle. Dieu est capable.
Alors arrête de te poser des questions. Nous sommes dans un moment de prière des hommes et des femmes de foi. N'oubliez pas que tout le mois de mars, je suis en train de vous enseigner sur la foi. Donc nous venons de commencer un programme où si tu es connecté à ce programme, vous êtes à près de 200 sur Instagram, vous êtes à plus de 900 sur Facebook. Je voudrais que vous croyiez que Dieu est capable. Alors, je commence par saluer toutes les personnes qui sont en train de prier avec nous. Vous êtes en Asie, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. De l'Asie où vous êtes, soyez bénis, bénis, bénis. Et que Dieu que vous servez vous fasse du bien. Je sais qu'il se fait tard chez vous. Il y a des personnes comme en Inde, comme à Dubaï, qui sont obligées de pouvoir prier avec nous au-delà de minuit. Mais vous tenez à être en prière, que Dieu ne vous oublie pas, qu'il vous fasse du bien. Vous êtes en Chine, vous êtes déjà en train de prier avec nous au-delà de minuit. Que Dieu se souvienne de vous et vous bénisse. Je voudrais saluer toutes les personnes qui sont en train de prier avec nous. Vous êtes en Afrique, quelque part. Que Dieu vous bénisse. Il y en a pour qui il est déjà 22 heures. Il y en a pour qui il est 21 heures. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Il y en a pour qui il est 23 heures. Mais ils tiennent à prier avec nous. Vous êtes au Maroc, en Tunisie. Vous êtes quelque part en Égypte, vous êtes en Éthiopie, vous êtes à Djibouti, vous êtes au Sénégal, vous êtes quelque part en train de prier avec nous à Libreville, vous êtes au Cameroun, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en train de prier avec nous au Congo-Brazzaville, vous êtes avec nous au Congo-Kinshasa, vous priez avec nous en Namibie, vous priez avec nous au Mozambique, vous priez avec nous en Zambie, en Angola, vous priez avec nous en Tanzanie, vous priez avec nous au Rwanda, vous priez avec nous au Burundi, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes à Kinshasa, dans n'importe quelle ville au nord comme à Guémena, vous priez avec nous à Goma, vous êtes à Lubumbashi, à Kolwezi, vous êtes à Kinshasa, vous priez avec nous depuis le Kivu, de partout où vous êtes en train de prier avec nous, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en Afrique du Sud. Que le Dieu de gloire ne cesse de vous scandaliser avec les merveilleuses choses qu'il va faire. Que ça soit en train de vous étonner, c'est que Dieu va réaliser dans votre vie. Je vous salue, vous tous qui priez avec nous depuis l'Europe. Zambie, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de prier avec nous depuis l'Europe, soyez bénis. Kenya, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à Budapest, vous êtes à Vienne, vous êtes quelque part dans quelle ville que je n'ai pas cité. Vous êtes à Prague, vous êtes à Paris, vous êtes à Rome, vous êtes en Irlande, vous êtes à Dublin, vous êtes dans n'importe quel pays et ville européenne. Vous êtes à Chypre, vous êtes en Turquie. Que Dieu qui est merveilleux vous bénisse abondamment et vous fasse du bien. Vous êtes déjà à près de 1000 déjà sur Facebook. Vous allez même dépasser, que Dieu se souvienne de vous. Vous êtes à plus de 200 sur Instagram. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à Lyon, vous êtes à Bordeaux, vous êtes quelque part. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de vous bénir de toutes les villes au travers desquelles vous êtes en train de prier avec nous. N'oubliez pas, partagez ce live, invitez les amis, dites à toutes les personnes qui sont en train de prier avec nous, l'heure des Mahombistes a déjà commencé, c'est l'heure de la prière, le prophète est déjà en ligne, comme vous le savez, chaque week-end nous sommes en prière, aujourd'hui c'est vendredi, demain aux mêmes heures, nous serons encore en prière, en train de prier avec vous. Dimanche, nous allons prier avec vous. La semaine prochaine, le vendredi, le samedi, dès qu'il est 21h, soyez en ligne, nous allons prier avec vous. Je n'ai pas fini, je salue tous ceux qui prient avec nous depuis l'Australie. Vous êtes quelque part du côté de l'Australie, vous êtes en Océanie, vous êtes à New Zealand, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en Amérique, vous êtes au Nouveau-Brunswick. Vous êtes à Trois-Rivières, vous êtes à Toronto, vous êtes
à Montréal, vous êtes quelque part à Sherbrooke, je ne sais pas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes à Michigan, vous êtes en Virginie, vous êtes à Portland, Maine, vous êtes quelque part à Orlando, vous êtes quelque part à Dallas, vous êtes quelque part de partout où vous êtes avec nous aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que Dieu continue à vous garder. J'espère que le ciel est ouvert pour vous. Ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est capable de faire. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Ne perdez pas de vue que Dieu est capable de vous visiter. Dieu est capable de vous faire du bien. Je viens déjà d'introduire mon message. Commençons à partager ce live. C'est un live très, très, très bénissant. Très, très, très bénissant. Regardez les personnes avec lesquelles nous avons l'habitude de prier. Si vous ne les voyez pas, écrivez-leur, dites-leur, tu es où maintenant? Je suis dans notre classe de prière et toi, tu n'es pas là. Invitez-les qu'ils entrent. Et nous voulons continuer la prière. Je vous rappelle que le 19, du 19, du vendredi 19 au samedi 20 mars de ce mois-ci, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous serons à Dallas. Moi-même, le prophète Joe Grass, nous serons avec vous à Dallas pour une nuit de prière au Texas. Ce sera de 22h à 2h, 3h du matin. Je voudrais vous inviter de partout où vous êtes aux États-Unis, prenez vos billets, voyagez, rejoignez-nous, nous allons prier, chercher la face de Dieu. Ce sera des moments prophétiques, nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Donc du 19 au 20, soyez là avec nous, Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Et le 27 mars, Mahombi ne tombera jamais, nous serons à la montagne de Kimwenza avec le prophète Joe Grass et le prophète héritier Grass. Ce sera 100% prophétique. Ne manquez pas, invitez les autres, nous allons prendre un moment de prière ensemble. Que Dieu vous bénisse. Depuis le début du mois de mars, Dieu m'a mis à cœur, après que au mois de janvier, nous avons eu à prier pour prendre possession de l'année, au mois de février, je vous ai parlé durant tout le mois, tous les jours, j'étais en train de vous parler sur détruire le combat d'Amalek. Nous avons parlé sur détruire le combat d'Amalek et comment est-ce que Amalek était en train de détruire les gens. Et depuis le début du mois de mars, tous les vendredis, tous les samedis et tous les dimanches, je suis en train de vous parler d'un sujet très merveilleux. Je suis en train de vous parler sur la foi. Je suis en train de vous parler sur la foi. La semaine passée, je vous ai expliqué comment est-ce que la foi était la fondation de toute chose. Et que sans la foi, Dieu ne pouvait rien faire dans votre vie. Quand Jésus voulait guérir les gens, il leur posait la question, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? N'oubliez pas de partager, nous sommes en train de monter. Pourquoi Jésus demandait ça? Parce que nous avons vu ensemble que la foi, c'est le hypostasis. La foi, c'est la fondation. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle. Tu ne peux pas bâtir une grande maison là où tu n'as pas posé la fondation. Or, la fondation s'appelle la foi. Je vous ai expliqué beaucoup de choses sur la foi pour vous dire combien il était important d'avoir la foi. D'avoir la foi. Avant que nous ne continuions la prière, je voudrais vous partager plusieurs sortes de foi. Et je vais commencer aujourd'hui par vous parler de trois sortes de foi. Demain, je vais vous parler d'autres sortes de foi. Et comment, quelle est la foi qui produit des miracles? Quelle est la foi qui produit des miracles? Après, juste après ici, nous allons faire une très forte prière de foi. Et nous allons libérer des paroles prophétiques. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Si vous êtes prêts, commencez à inviter les amis. Repartagez, dites-leur, nous venons de commencer, ça c'est notre heure de prière. Il y a déjà plus de 1100 personnes sur Facebook. Je suis béni de savoir que vous êtes très nombreux à prier avec nous. C'est juste merveilleux. N'oubliez pas que la foi, c'est la fondation. La foi, c'est la fondation. Je vous ai dit la fois passée, il n'y a pas dans la Bible un livre
qui parle des hommes de prière. Non, il n'y a pas un chapitre consacré aux hommes de prière. Il n'y a pas un chapitre dans la Bible consacré aux prédicateurs. Il n'y a pas un chapitre dans la Bible consacré aux hommes de prière ou aux prophètes. Il n'y en a pas. Mais il y a tout un chapitre dans la Bible consacré aux hommes et aux femmes de foi. Parce que la foi, c'est celle qui attire Dieu. Je vous ai dit la fois passée, Jésus sur la terre n'a pas été impressionné par la beauté des hommes. Jésus n'a jamais été impressionné par l'intelligence des hommes ou encore par leur richesse. La seule chose qui étonnait Jésus sur la terre, c'était la foi. Quand Jésus voyait un homme exprimer la foi, même lui-même il s'arrêtait pour dire non, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi comme ça. Si vous voulez épater Dieu, épatez-le avec la foi. Épatez-le avec la foi. Alors, je vais vous parler des sortes de foi et nous allons commencer. Si vous êtes prêts, nous avons déjà commencé. Dieu vous bénisse, je vous salue tous, vous êtes tellement nombreux. Je vous salue. Si vous venez de rentrer dans ce live, n'oubliez pas de le partager et d'inviter les amis. Que Dieu vous bénisse. La première sorte de foi, c'est ce que j'appelle la foi naturelle. Je vais commencer par la première sorte de foi. La première sorte de foi, c'est la foi naturelle. La foi naturelle, c'est une sorte de foi que tout le monde a. Les chrétiens, les païens, tout le monde a une foi naturelle. Mais malheureusement, la foi naturelle ne produit pas des exploits. La foi naturelle ne brise pas les portes. C'est quoi la foi naturelle? La foi naturelle, c'est cette foi. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez maintenant commencer à me comprendre. Si je vous demandais, est-ce que demain vous allez vous réveiller? Qu'est-ce qui prouve que vous allez vous réveiller demain? Tout le monde a une foi naturelle. Tout le monde va me dire, oui prophète, je crois que je vais me réveiller demain. C'est une foi naturelle. Tout le monde l'a. Même moi qui vous parle ici, j'ai la foi que je vais me réveiller demain. Alors que je ne sais même pas de quoi sera fait demain. Mais j'ai comme une sorte de foi naturelle que demain je vais me réveiller. Toutes les personnes qui se marient, demain c'est samedi, dimanche, c'est le week-end déjà. Il y a plusieurs mariages qui se font dans le monde entier. Si vous demandez aux mariés qui viennent de se marier là, est-ce que vous aurez des enfants? Tous vont te dire, oui, nous croyons que nous aurons des enfants. Dans la foi naturelle, personne ne croit. Personne ne croit qu'il va entrer dans un mariage, après il va divorcer. Non, personne n'y croit. Personne ne croit qu'il va entrer dans un mariage et il a déjà préparé qu'il n'aura pas d'enfants. Non, tout le monde croit qu'il aura des enfants. Vous comprenez la foi naturelle? La foi naturelle, c'est tout parent qui a mis au monde des enfants croit que ses enfants vont réussir les études, ses enfants vont aller de l'avant, ses enfants seront les meilleurs enfants du monde. Aucun parent ne vous dira, moi j'ai la foi que mes enfants seront des bandits. Non, j'ai la foi que mes enfants seront des gangsters. Non, aucun parent ne pense à ça. C'est une foi qui est juste posée sur des faits naturels. Nous croyons naturellement que nous allons, demain sera meilleur. Nous croyons naturellement que nous n'allons pas perdre nos maris, nous n'allons pas perdre nos femmes, nous n'allons pas perdre nos enfants, ils grandiront. Ça, c'est la foi naturelle. Tout le monde l'a. Je peux même déjà commencer par des questions. Qui croit que demain il va se réveiller? Commencez à me répondre. Je suis déjà en train de vous parler de la foi naturelle. La foi naturelle se pose sur des faits naturels. Qui croit? Qui croit qu'il va se réveiller demain? Voilà, il y a déjà qui me disent, moi. Qui croit que demain est meilleur pour lui? Tout le monde y croit. Donc ça n'a rien à voir avec le spirituel. Et cette foi,
vous la retrouvez même dans le plus grand sorcier du monde. Écoutez, même le sorcier qui mange les enfants des autres, il croit quand même que ses enfants à lui seront meilleurs. C'est la foi naturelle. Ça, c'est la première sorte de foi. Et j'insiste beaucoup, cette foi ne produit aucun miracle. Cette foi ne produit aucun exploit. Parce que c'est une foi qui n'est fondée que sur des faits naturels. Vous comprenez ça? Maintenant, il y a une deuxième sorte de foi qui existe dans la plupart des gens, et particulièrement dans la plupart des personnes qui ont étudié, des personnes qui ont vécu dans un certain milieu, nous qui avons vécu peut-être dans les villes, ceux qui ont l'habitude de côtoyer des milieux occidentaux. Il y a une deuxième sorte de foi, c'est la foi intellectuelle. Alors, si je vous parle de la foi intellectuelle, vous allez comprendre que c'est la foi qui est posée sur des faits vérifiables ou des faits logiques. La foi intellectuelle est fondée sur la logique. Elle est fondée sur des faits vérifiables. C'est cette foi que l'on a. Écoutez, on vous dit que le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés de tous les deux autres côtés du triangle, rectangle. Vous voyez? Le carré de l'hypoténuse, ouais, je suis dans le triangle, rectangle. On vous dit que le carré de l'hypoténuse, c'est la somme de tous les autres carrés. C'est vérifiable, c'est démontrable, ça n'a pas besoin d'une quelconque foi. C'est très intellectuel, ça se démontre, pam, 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 pam. Malheureusement, cette foi ne produit pas des miracles, elle est basée sur des faits vérifiables, des faits logiques. La foi intellectuelle, c'est celle où tu te retrouves atteint du VIH. C'est une foi intellectuelle. Tu es atteint du VIH. Et l'on t'a prouvé que jusqu'à ce jour, il n'y a pas un médicament qui éradique cette maladie. Donc, le VIH est considéré jusque maintenant comme une maladie incurable. Donc, quand tu es atteint du VIH, tu sais toi-même que tel que je suis là, je ne peux pas être guéri. Je mourrai avec cette maladie. Cette foi est basée sur ta logique. C'est la foi des personnes qui sont comme les Thomas. C'est-à-dire, démontre-moi les faits et je vais croire. Tu ne me démontres pas les faits, je ne croirai pas. C'est A plus B au carré, il te dit directement, c'est A carré plus 2AB, plus ou moins 2AB, ok, plus 2AB plus B carré. C'est clair, c'est dans la tête. Il va te dire, voilà, ça c'est du Pythagore, ça c'est de ceci. La foi intellectuelle existe. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes sont bloquées par cette sorte de foi qui est la foi intellectuelle. Les gens sont bloqués par ça. C'est OK. Pour lui, c'est tu prends deux molécules d'hydrogène que tu mets avec une seule molécule d'oxygène, ça te donne de l'eau. C'est 2H plus O, ça te donne H2O. Il n'y a pas de choses compliquées dessus. C'est tu prends deux molécules d'hydrogène que tu mets avec, tu prends le H plus, 2H+, que tu mets avec le SO4, 2 moins,
ça te donne le H2SO4 acide sulfurique. Ça n'a pas besoin d'une quelconque vérification. Et la plupart de fois, nous nous avançons dans les choses de Dieu avec cette sorte de foi. Et la plupart des personnes qui ont étudié, qui sont dans certains domaines, le domaine du droit, ils sont dans le domaine de la médecine, ils ont étudié thrombose et tout ça. Dites-lui que Dieu est capable de te guérir, il va te dire oui, mais écoute, le médecin m'a vu, il m'a dit que la forme de mes bassins, la manière dont mon utérus est tourné, je ne peux pas avoir des enfants. Cette personne, quand vous la voyez, en réalité, elle est juste soumise à une foi intellectuelle. Et cette foi bloque les gens. Cette foi bloque les gens. C'est la logique. C'est-à-dire, je suis malade, j'ai une maladie incurable. Je suis malade, j'ai une maladie incurable. Et donc, voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque temps en arrière, étant donné que aucun médicament, aucun vaccin ne prouvait que la COVID peut être soignée, beaucoup de gens avaient peur. Pourquoi ils avaient peur? Parce que leur foi est basée sur l'intellectualisme. C'est-à-dire là, la COVID ne se soigne pas et donc je peux en mourir. J'ai vu des personnes tomber malades. Oh, gloire à Dieu, il y a tout le monde qui est en train de me dire, comment tu fais sortir tous ces théorèmes, ces chimies et tout ça. Voilà. Je crois que je ne suis pas que prophète. C'est tout ce que je vais vous dire. Voilà. Alors, maintenant que on vous dit que le vaccin contre la COVID a été trouvé, vous allez vous rendre compte que du coup, la maladie ne fait presque plus peur aux gens. Pourquoi? Parce que dans leur tête, on leur avait déjà dit que quand il y a déjà une solution, donc il y a plus de chances d'être guéri. Cette sorte de foi ne produit pas des miracles. Parce que c'est une foi qui est basée sur l'intellectualisme. Suis-je en train de dire que quand nous nous convertissons, le sang de Jésus a lavé notre intelligence? Non. Suis-je en train de dire que nous ne devons plus réfléchir dans la vie? Non. Suis-je en train de dire que parce que nous avons la foi, nous devons être aveugles à tout? Même si on te disait que là c'est le feu, tu dois y mettre ta main. Non. Je ne suis pas en train de dire que le sang de Jésus qui a lavé nos péchés a lavé aussi notre intelligence, a lavé aussi notre manière de réfléchir. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis plutôt en train de vouloir nous faire comprendre quelle est la sorte de foi qui produit des miracles. Pourquoi beaucoup de personnes ne vivent pas des exploits? D'ailleurs, les gens viennent dans la maison de Dieu en se disant, j'ai le cancer. Le cancer est incurable. Donc, je viens pour qu'on prie pour moi. Mais je ne suis pas sûr que je vais être guéri. Les gens viennent dans la maison de Dieu avec, j'ai besoin d'un enfant. Mais au-delà du fait que j'ai besoin de l'enfant, j'ai 44 ans. Et là, mon corps est en train de subir une pression de la ménopause. Et donc, je viens quand même pour qu'on prie pour moi, mais je ne suis pas très sûr. Et ça détruit beaucoup de vies, ça condamne beaucoup de gens. C'est pour ça que nous prions avec des gens, nous avons moins de résultats. Parce qu'il y en a qui ont juste une foi naturelle, d'autres qui ont juste une foi intellectuelle. Ils sont comme Thomas. C'est-à-dire, Seigneur, on n'a que 2 pains et 2 poissons, 5 pains et 2 poissons. Mais les personnes qu'il y a à nourrir sont à 5 000. Même si nous faisons des calculs, même si nous devons donner aux gens des miettes, nous ne pourrons pas avec 5 pains. Ça veut dire, d'un pain, il faut qu'on puisse couper
des morceaux qui donnent 1000. Comment ça va se faire? Et c'est comme ça que nous venons dans la maison de Dieu avec des personnes qui aiment le Seigneur, qui sont sincères, mais qui vivent très peu de résultats. D'autres parce qu'ils sont juste bloqués au niveau de la foi naturelle, mais d'autres encore qui sont bloqués au niveau de la foi intellectuelle. Alors, aidez-moi à partager la vidéo, aidez-moi à inviter les amis, je vais vous faire entrer dans une autre sorte de foi qui peut produire des miracles. Je vais vous parler d'une autre sorte de foi qui peut produire des miracles. N'oubliez pas que le 19 et le 20, nous sommes à Dallas. Nous allons prier avec vous tous de Dallas de 22h à 5h. On a 5 heures de prière avec vous, des moments très prophétiques. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Soyez là et vous serez abondamment bénis. Et si vous avez l'opportunité de vous déplacer, d'inviter les autres, prenez votre hôtel, venez, le Seigneur est là, il va vous faire beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que le 27, nous sommes à la montagne de Kimwenza avec le prophète héritier grâce. Ce sera une montagne très prophétique parce que Dieu a décidé de nous faire du bien. Alors, je voudrais que nous puissions lire un texte merveilleux. Marc au chapitre 11. Je vais vous parler d'une autre sorte de foi. Marc au chapitre 11. Vous êtes sur Instagram, que Dieu vous bénisse. Dorothée Lumbu, que Dieu vous bénisse. Mathilde, que Dieu vous bénisse. Grady Lombe, que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur Facebook, maman, papa, que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà à plus de 1400. C'est que le ciel est ouvert. Chaque fois que je rencontre des gens, chaque jour qui passe, je rencontre des gens qui me disent, prophète, j'ai prié avec vous, j'ai prié avec vous. Je me rends compte qu'on est tellement nombreux qui aimons ces moments de prière. C'est juste merveilleux. Voilà, je voudrais qu'on lise ensemble Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, j'aime une maman qui est en train de déclarer ici, j'ai 47 ans mais je peux avoir un enfant. Ça, ce n'est pas une foi intellectuelle. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Marc chapitre 11, nous allons juste lire le verset 19 jusqu'au verset 23. Marc chapitre 11, du verset 22 jusqu'au verset 23. Si vous vous êtes déconnecté, reconnectez-vous, partagez la vidéo. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de perdre la connexion. Repartagez la vidéo et nous allons avoir une petite prière de foi tout à l'heure. Et Dieu ne manquera pas de nous ouvrir le ciel. Vous allez comprendre en fait qu'en priant cette semaine ici, je n'ai pas besoin de vous faire des longues prières. J'ai besoin que nous fassions des prières de foi. Tout le mois, je ne cherche que des personnes qui vont faire des prières de foi. Pas des personnes qui vont faire des longues prières mais sans la foi. Ne priez pas si vous n'avez pas la foi. J'insiste, ne priez pas si vous ne croyez pas que Dieu va exaucer vos prières. Vous perdez le temps, c'est une prière qui n'a pas de fondation. La Bible déclare, verset 19, « Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. » Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus reprit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Verset 22, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Voilà mon message. Un jour, Jésus est sur la montagne des Oliviers.
Il quitte la montagne des Oliviers, il envoie les disciples aller lui chercher le petit d'une ânesse qui était à Bethesda, à Bethphagée. Après, il va prendre le petit de l'ânesse. Il monte, il rentre à Jérusalem. Pendant qu'il rentre à Jérusalem, les gens sont en train de chanter « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les gens sont en train de célébrer « Suivez-moi bien ». Et quand il arrive à Jérusalem, il se dirige vers le temple. Arrivé au temple, il trouve que il y avait des gens qui étaient en train de vendre du n'importe quoi. Il va prendre le fouet. Il va commencer à fouetter tous les marchands qui étaient en train de se compliquer la vie là dans le temple. Il va les fouetter. Et après, il va enseigner. La Bible dit qu'on va lui amener des malades et il va les guérir. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je veux juste vous faire comprendre que ce jour-là, la journée de Jésus était très chargée. Jésus était fatigué. Il était vraiment fatigué. Vraiment fatigué. Et il a été le matin, il a d'abord fait une entrée triomphale, après triomphante, je voulais dire. Après, il est allé au temple, il a dû chasser les gens, après il a guéri les malades, après il a enseigné. Donc comprenez que Jésus était hyper fatigué. Et naturellement, il avait faim. Il avait faim. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige maintenant vers un figuier. Mais la Bible déclare que ce n'était pas la saison des figues. Donc, si Jésus fonctionnait avec une foi intellectuelle, il allait dire, ok, comme ce n'est pas la saison des figues, donc naturellement, le figuier ne peut pas me donner des fruits. Jésus ne réfléchissait pas toujours avec cette foi intellectuelle qui est basée sur la logique. Quand il arrive devant le figuier, il se rend compte qu'il n'y a pas de fruits. Que dit la Bible? La Bible dit, il maudit le figuier. Je viens de commencer mon message. Il maudit le figuier. Après, il part. Je pense que là où il est allé, je crois que Jésus avait maudit le figuier par colère. Vous savez que la faim donne une certaine nervosité. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce jour-là, il était sûrement sous une nervosité qui était due à la faim. Alors, il maudit le figuier là. C'est même pas pour elle. Elle dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Après, il part. Alors, l'histoire que je vous lis, c'est le lendemain matin. La Bible dit le lendemain matin, ils sortent, ils vont encore dans les courses du royaume. Quand ils arrivent, c'est comme si Jésus n'est pas étonné de ce qui s'est passé. Il n'est pas étonné. Ce sont les disciples qui disent, oh, mais c'est bizarre, cet homme avait faim hier. Et quand il était en train de maudire le figuier, il a maudit le figuier sous la colère. Mais curieusement, malgré le fait qu'il a parlé sous la colère, ça a tenu. Alors, les disciples viennent le voir, ils lui disent, mais maître, le figuier que tu as maudit hier vient d'être maudit. C'est là que Jésus prend le temps de leur expliquer la foi. Je commence maintenant par vous parler de la foi qui produit les miracles. J'ai les yeux qui me font mal, mais je vais décoller. Première chose, Jésus leur dit, ayez la foi en Dieu. Écoutez-moi bien. La différence, la plus grande différence entre la foi naturelle et la foi intellectuel, c'est que la foi qui produit les miracles se base sur Dieu et sur sa parole. Je viens de commencer. Toutes les fois ne produisent pas des miracles. La foi qui produit les miracles, c'est la foi qui est basée sur Dieu et sur sa parole. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare: la foi vient de ce qu'on entend.
Je crois que demain ou après-demain ou la semaine prochaine, je vous parlerai de la foi vient. La foi a des pieds, la foi marche, la foi vient. C'est-à-dire que ça peut arriver aussi qu'elle parte, mais la foi vient. Ça, je vous explique ça la fois prochaine. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la Bible dit, vient de la parole de Dieu. Vous voulez vivre les miracles dans votre vie? Arrêtez de croire. N'ayez pas la foi de l'Internet. Vous avez pris une information sur Internet et vous placez votre foi là-bas. La foi qui produit des miracles n'est pas basée sur l'Internet et les informations de l'Internet, malheureusement. La foi qui produit des miracles n'est pas basée sur un discours politique. Ce n'est pas parce qu'un chef d'État a dit « voici ce qui va se faire ». Alors là, toi, tu crois? Non, ce n'est pas cette foi-là qui produit des miracles. La foi qui produit des miracles n'est pas la foi qui est basée sur la parole de ton médecin. Oh, ton médecin peut avoir raison. Peut-être que ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vu en échographie. C'est ce qu'il a vu d'après ses connaissances en radiologie. C'est ce qu'il a vu d'après ses connaissances en chirurgie. Mais ce qu'il a dit n'est pas sur ça que tu dois baser la parole. La foi n'est pas basée sur la parole du médecin. La foi qui produit des miracles n'est pas basée sur la parole de mon père ou de ma mère. Ce n'est pas parce que mon père a dit que moi je ne vais jamais aller de l'avant que je dois y croire. La foi, la Bible dit, ayez foi en Dieu. Je suis désolé sur ce que ton chef a dit sur ta carrière. Je suis désolé de ce que ta tante là qui ne t'aime pas a dit sur ta maternité. Je m'en fous de ce que le médecin a donné comme diagnostic sur le cas de ton père. Je m'en fous de la conclusion que les hommes ont basée sur toi. Si la parole de Dieu ne me dit pas ça, je n'y croirai pas, je suis désolé. Mes frères bien-aimés, quand la parole de Dieu dit « ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront pas », je m'arrête là. La parole reconnaît que j'aurai des moments de guerre, mais la parole ne reconnaît pas que je serai vaincu. Je m'arrête là. La guerre, je l'accepte, mais la victoire, je ne l'accepte pas chez vous. La Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le problème avec nous actuellement, intellectuels que nous sommes, nous croyons beaucoup plus aux choses. Je vous ai dit que la parole de Dieu est plus vraie que la parole des hommes. Je vous ai dit que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Je vous ai dit la fois passée que ce que nous ne voyons pas est plus vrai que ce que nous voyons, parce que ce que nous voyons est venu de ce que nous ne voyons pas. Or, ce que nous voyons n'est qu'une photocopie des choses que nous ne voyons pas. Donc, l'original, c'est pas ce que nous ne voyons pas, ce que nous voyons. L'original, c'est ce que nous ne voyons pas. Ce que nous voyons n'est que la photocopie de ce que nous ne voyons pas. Vous comprenez ça? Alors, entre la photocopie et l'original, vous croyez en quoi? Ayez foi en Dieu, c'est la première chose. Ayez foi en Dieu, bien-aimé. Quelqu'un m'a dit une fois, je crois que l'avoir enseigné, que la prière, c'est pas des paroles que vous êtes en train de dire. Seigneur, je suis là, tu me vois, je suis ta fille, je veux que tu tiennes ma main, Seigneur Jésus. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est en train de faire du bruit là. Seigneur Jésus, je suis devant ta face, je pleure, écoute ma prière. Jésus, Jésus, oh Jésus. Surtout nous Africains, nous prions avec beaucoup d'émotion. Tu vas voir quelqu'un, oh, 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 oh. Si tu te mets là, tu lui demandes, tu es en train de prier quoi papa? J'ai beaucoup pleuré. Non. Je vais vous expliquer. Prier en réalité,
c'est retourner à Dieu sa parole. Je vais vous donner une bonne définition de la prière. Prier, c'est pas dire des paroles comme ça. Seigneur, tu me vois, j'ai besoin de toi. Bénis-moi, j'ai besoin que tu agisses. Non. Prier, en réalité, c'est retourner à Dieu sa parole. C'est-à-dire, Père, tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura pas de veuve. Il n'y aura pas de femme qui avorte, ni de femme stérile. Je m'appuie sur cette parole pour te réclamer de briser la stérilité dans ma vie. Vous comprenez ça? Je m'appuie sur la parole de Dieu et je la lui retourne. Tu as dit dans ta parole, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Je refuse cette mort précoce parce qu'elle est contre ce que tu as dit à mon sujet. Tu as dit dans ta parole, nous serons la tête et non la queue. Je me tiens sur cette parole pour dire non à cette dégradation dans ma vie professionnelle. Tu as dit qu'ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Vous comprenez ça? Prier, en réalité, c'est retourner à Dieu sa parole. Voilà pourquoi vous qui aimez prier sans connaître la parole de Dieu, vous êtes malheureux. Et étudiez la parole de Dieu, connaissez la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans les expressions du prophète Joe Grâce. Dieu est dans sa parole. Prophète Joe Grâce a l'habitude de dire, Maombi ne tombera jamais. Ça veut dire la prière ne tombera jamais. Toi ne vas pas prier en disant à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Maombi ne tombera jamais. Bien-aimé, prier sur base de la parole. J'ai entendu des femmes en train de prier. Oh Seigneur, la Bible déclare, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est écrit où, dans quelle Bible? Oh, il est écrit, Seigneur, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Arrêtez de prier avec les expressions. Priez en retournant à Dieu sa parole. Vous comprenez? C'est pas compliqué. Priez en retournant à Dieu sa parole. Seigneur, c'est toi qui as dit ça dans ta parole. Je te la retourne. Je te la retourne. Je te la retourne. Tu as dit, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des présages. Tu as dit que ceux qui te béniront, tu honores ceux qui t'honorent. Seigneur, puisque moi je t'honore, honore-moi. Tu as dit dans ta parole, voyez ça. Quand tu as de prier comme ça, c'est pour ça qu'il est écrit, ayez la foi en Dieu. La première chose, écoutez-moi, quand nous allons prier tout à l'heure, ne priez pas en désordre. J'ai toujours aimé un texte bien aimé. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière. On n'a pas dit, ô toi qui écoutes les cris. On a dit, ô toi qui écoutes la prière. On n'a pas dit, ô toi qui écoutes les pleurs. On a dit, ô toi qui écoutes la prière. Pleurer, c'est pas mauvais. Mais pleure en priant selon la parole de Dieu. Crie, c'est bien. Mais crie en criant selon la parole de Dieu. Est-ce que c'est facile? Maintenant, demain, je vais vous expliquer des choses. Nous allons passer des moments extraordinaires. Aujourd'hui, je voulais d'abord que vous vous appuyiez sur Dieu. Demain, je vais vous expliquer pourquoi Jésus a dit « Ayez foi en Dieu ». Comment se manifeste cette foi? Demain, je vais commencer. Je vais vous expliquer, par exemple, que la foi en Dieu, c'est une foi qui parle. Demain, je vais vous expliquer ça. Aujourd'hui, je voulais juste vous expliquer que ne priez pas en désordre. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Maintenant, nous allons entrer en prière. Nous allons entrer en prière. Vous avez été très nombreux sur Instagram. Vous avez été près de 1500 sur Facebook. Je suis béni de vous avoir. Demain, n'oubliez pas, à partir de 21h, heure de Kinshasa, connectons-nous de partout.
partout où nous sommes, à partir de demain, nous allons prier. Alors, chacun de nous va chercher dans la Bible. Aujourd'hui, avec vos téléphones, vous pouvez trouver un verset. Appuyez-vous, cherchez un verset qui cadre avec votre cas. Dès que vous avez trouvé ce verset, ouvrez-le. Nous allons commencer à le déclarer. Voilà. Vous êtes à plus de 1500 sur Facebook. Vous êtes à plus de 250 sur Instagram. C'est juste merveilleux de savoir que vous avez toujours été très nombreux. Demain, à partir de 21h, je vais commencer par vous expliquer les sortes de foi qui produisent des miracles. Vous voulez être béni? Ah, maman Dani dit que c'est aussi une grâce de ma voix. Frère, ne priez jamais en fonction de « Père, mon Père spirituel a toujours dit non. » Dis « Seigneur, ta parole déclare. » Dieu est toujours derrière sa parole. Prenez un verset. Vous avez vos Bibles de recherche, peut-être vous avez votre Bible sur téléphone. Prenez un verset, un des versets que vous aimez. Peut-être vous aimez, vous allez prier par rapport au psaume chapitre 91 qui dit celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vas prendre un verset. Chacun va prendre un texte qu'il aime. Il venait, hein? Faut même pas dire la Bible déclare, il faut dire ta parole déclare. Parce que comme vous le savez là, hein, j'ai aimé un homme de Dieu que j'ai entendu sur Internet, il a dit Dieu n'est pas derrière la Bible, il est derrière sa parole. Hein, il faut arrêter avec la Bible déclare. Tu dis Dieu, ta parole déclare. Tu lui rappelles lui-même et la parole. Le monde a été créé par la parole. C'est la parole qui crée. C'est la parole qui appelle à l'existence. C'est la parole qui a créé le grand éléphant. C'est la parole qui a créé le crocodile. C'est la parole qui a créé les océans. C'est la parole qui a créé les montagnes. Donc, si tu veux la parole, frère, je vois des gens qui prennent le psaume 23, il y en a qui prennent le psaume 10, 22, qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel. Je vois quelqu'un d'autre qui prend le psaume qui dit par tes meurtrissures j'ai été guéri. Prends une parole, prends une parole. Vous savez, j'ai rencontré une maman il y a quelques jours qui devait aller prendre un visa pour elle-même aux États-Unis, à l'ambassade des États-Unis. Alors, je lui ai demandé, maman, est-ce que tu as la foi? Elle m'a dit, prophète, il y a quelques jours, j'étais entendu prêcher sur les terres. J'ai pris un verset. J'ai pris le verset de psaume qui dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Elle m'a dit, ça, c'est mon verset. Chaque fois que je vais prier pour mon visa, j'ai dit au Seigneur, je te demande les nations. Vous voyez, elle a découvert dans la Bible un verset qui la booste quand elle va demander un visa. Vous voyez ça? Oh, Dieu te bénisse, Védrine, ma fille. Je t'aime beaucoup aussi. Que Dieu te bénisse. Voilà, trouvez un verset. Vous voyez, il y a des gens, vous vivez dans certains pays où les choses ne tiennent pas. Est-ce que vous savez que la Bible déclare « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. » C'est dans Josué chapitre 1er. Vous voyez ça? Vous pouvez dire « Seigneur, j'ai foulé mes pieds à Paris, j'ai foulé mes pieds au Canada, j'ai foulé mes pieds au Congo. Ce n'est pas pour échouer. Ce lieu me sera donné en héritage. » Quelle est la parole que tu as? Quelle est la parole que tu as? En tout temps que tes vêtements soient blancs. Oh, je vois quelqu'un d'autre qui écrit, la Bible déclare, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Bien-aimé, il y a des choses qui sont tellement élevées pour toi. Mais il y a des textes dans la Bible qui disent, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Oh, voilà. Je vais par exemple vous lire un texte, un de mes textes préférés. Je vais vous le lire simplement pour vous donner la foi et nous allons commencer à déclarer. Pendant que je lis, tu peux déjà prendre ce verset et commencer à le déclarer. Tu n'es pas obligé d'attendre que je te dise prions.
La prière a déjà commencé. Tu prends ce texte. Il n'y aura pas de femme stérile. Tu rappelles à Dieu comment je suis en train de vivre ça. Comment j'avorte. Comment la Bible déclare quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Pourquoi dans ma vie je ne fais que pleurer? L'Éternel est mon juste juge, mon législateur et mon roi, celui qui me sauve. Il y a des versets. Prends un verset de la Bible, commence à prier avec ça. Je suis déjà en train de te lire. Oh, maman Fanny qui écrit Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous voyez ça? Il y a des versets comme ça. Je prends déjà ce verset merveilleux que j'aime. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Romains chapitre 8, verset 1er. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aime ce texte. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair mais selon l'esprit. Oh, je voudrais vous lire des choses qu'il y a dans ce verset. Verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oh, j'aime ce texte. J'aime ce texte. Je vous lis par exemple le verset 28, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous voulez que je le continue, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifié. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, lui qui n'a point épargné son propre fils, qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu peux prier avec ces choses. Tu peux prier avec ces choses. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Vous savez, quand vous lisez une parole comme ça, ça vous donne la foi. Prends le texte qui est le tien. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Dieu, Père, il est écrit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Prends cette parole. Commence à la déclarer. Moi, je viens de déclarer que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je viens de déclarer que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Moi, je viens de déclarer que en toutes ces choses, je serai plus que vainqueur. Qu'on mette le poison, je serai plus que vainqueur. Qu'on me combatte dans la maternité, je serai plus que vainqueur. Qu'on cherche à m'écraser,
Je serai plus que vainqueur. Je serai plus que vainqueur. Je serai plus que vainqueur. Prends maintenant cette parole, commence à la déclarer. Prends tes enfants, lis la parole et commence à la déclarer. Commence à déclarer que moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes. Tu as quelqu'un qui est malade, déclare que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Ma mère a été guérie, mes frères ont été guéris. Alors que tu es en train de déclarer cette parole, que le Dieu qui est derrière cette parole te fasse du bien. Il est écrit dans la parole de Dieu, j'agirai et qui s'y opposera? Peut-être que tu vis des oppositions, des gens qui ont déjà dit tu n'auras pas la promotion, des gens ont déjà dit tu ne vivras pas le mariage, des gens ont déjà dit que toi tu n'iras jamais. Déclare que la parole de Dieu déclare, j'agirai et qui s'y opposera? Peut-être que tu as des ennemis qui cherchent ta mort. Déclare qu'il est écrit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Déclare, déclare, tu as tellement de paroles qui sont dans la parole de Dieu. Déclare que Jésus s'est écrié, tout est accompli. Il a accompli pour ton père, il a accompli pour ta mère, il a accompli pour ta vie, il a accompli pour ta santé, il a accompli pour tes frères. Déclare que en toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Alors que tu es en train de prier, tu n'as même pas besoin qu'on libère une parole prophétique sur toi. Ce que tu dois savoir maintenant, c'est que pendant que tu déclares, Dieu est derrière. Je répète, Dieu est derrière. Je répète, Dieu est derrière. Il est en train d'accomplir ça. Il est derrière ce que tu es en train de déclarer et il te fait du bien. Il est derrière ta visitation. Il est derrière ce mariage. Il est derrière ce que tu déclares. Déclare, oh, j'aime. Quelqu'un déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les problèmes qu'il y a dans ta vie ne régneront pas toujours. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Est-ce que tu peux déclarer cette parole? Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Tu as été guéri. Il est écrit, bien aimé dans le Seigneur, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire. Dieu va pourvoir à l'argent qui te manque. Dieu va te faire sortir de cette vie de dette. Dieu va te retirer. Il va pourvoir à ton business. Il pourvoira. Oh, la Bible déclare, l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Tu es dans un business, tu es en train de faire un travail, mais tu sens comme si les choses sont encore bloquées. Dis à Dieu, la Bible déclare, tu béniras l'œuvre de mes mains. Rappelle à Dieu que à cause de Rahab, tu as sauvé sa famille. À cause de moi, tu sauveras ma famille. Car il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Prie la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, déclare que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de rien, tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras pas de travail, tu ne manqueras pas de mariage, tu ne manqueras pas les enfants, tu ne manqueras pas l'onction, tu ne manqueras pas un ministère béni, tu ne manqueras pas des partenaires, car l'Éternel est ton berger. J'aime cette phrase. Il a effacé, je suis en train de lire, l'acte dont les ordonnances me condamnaient au célibat, au chômage. Il a effacé ces choses. La Bible dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Oui, que Dieu te fasse reposer. Je suis en train de déclarer, bénis l'œuvre de mes mains telle que tu l'as dit dans ta parole, que Dieu le fasse. Quelqu'un d'autre dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas le temple de la maladie, oui. Quelqu'un d'autre dit que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Que Dieu exauce. Quelqu'un d'autre déclare, Seigneur, remplace les années qu'ont dévoré la sauterelle. Oui, que Dieu le fasse. Quelqu'un d'autre déclare, je déclare que je m'inquiète de rien. Oui, que Dieu enlève les inquiétudes. Quelqu'un d'autre déclare, tu t'es fait pauvre pour m'enrichir. Que Dieu brise toutes les lois qui bloquaient ta vie et qu'il t'enrichisse. Alléluia. Quelqu'un nous dit, Dieu bénira l'œuvre de mes mains. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Que tu ne manques de rien. Vous voyez, c'est très facile. Retourner à Dieu sa parole. C'est ça la foi.
retourner à Dieu. Oh, j'aime cette phrase. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il y a une telle onction aujourd'hui. Je sens une telle onction. Et ne vous étonnez pas. Il y aura tellement d'exaucements que vous allez vous demander, mais pourquoi il y a eu beaucoup d'exaucements? Parce que vous venez de dire à Dieu sa propre parole. C'est comme si je vous ai promis de l'argent et vous venez me dire, prophète, tu m'as promis de l'argent. Voilà la preuve. Toi-même, tu as signé ça ici. Je suis faible. Dieu n'est faible que devant sa parole. Père, je prie que tu exauces toutes les prières de tes enfants qui ont prié avec nous sur Instagram et sur Facebook. Ouvre-leur le ciel. Qu'il y ait des exaucements par rapport à tout ce que tes enfants t'ont demandé. Guéris les malades, libère les vies. Ouvre le ciel, visite tes enfants. Et que les paroles qu'ils ont déclarées, qui ne sont ni ma parole ni la leur, mais qui sont ta parole, que cela s'accomplisse dans leur vie, Père, au nom de Jésus. Amen. Le temps que je ferme mes yeux, je suis en train de voir clairement comme une épée qui est en train de passer et qui est en train de briser, briser des chaînes. Et de manière très claire, le Seigneur me dit qu'il vient de faire grâce à plusieurs qui étaient bloqués par plusieurs situations. Dieu vient de les débloquer et il vient de vous faire grâce. Que Dieu prie, je prie également pour toutes les personnes qui ont des malades dans leur maison. Recevez la guérison de Dieu et que Dieu vous bénisse. J'insiste beaucoup. Demain, nous commençons la prière aux mêmes heures à partir de 21h heure de Kinshasa. Vous étiez nombreux, vous étiez à plus de 1600 en train de prier avec nous. C'est juste merveilleux. Demain, n'oubliez pas, nous sommes en ligne pour la prière. Le 27, nous serons à la montagne de Kimouza. La semaine prochaine, du 19 au 20, nous sommes à Dallas pour un très grand moment de prière et le ciel nous sera ouvert. Vous voulez faire vos offrandes, vous voulez accompagner ces prières par des offrandes ou des dons que Dieu vous met à cœur, contactez-nous à nos numéros, écrivez-nous ou encore utilisez PayPal, Interact, MPSA, à tous les numéros que nous avons l'habitude de donner, nous pouvons recevoir vos dons et ce sera aussi une bénédiction pour nous. Demain, nous reprenons sur la foi. N'oubliez pas aujourd'hui l'exercice que je vous demande. Nous sommes au mois de mars. Écrivez au moins trois passages de la Bible. Écrivez-les sur lesquels vous allez prier la soirée d'aujourd'hui et demain. Écrivez au moins trois liés au mois de mars. Comme c'est le troisième mois, nous voulons que vous puissiez écrire au moins trois passages sur lesquels vous allez prier en déclarant, Écrivez ces trois passages et que Dieu vous exauce et qu'il vous fasse du bien. Soyez abondamment bénis. Merci à vous tous d'avoir été très nombreux. Demain, je voudrais que nous soyons encore plus nombreux, même au-delà de 2000, pour chercher la face de Dieu. Et demain, ce sera merveilleux et Dieu nous bénira. Demeurez bénis et que Dieu ne manque pas de vous faire grâce. Avant de terminer, je sens dans mon esprit que je dois déclarer le psaume chapitre 23 sur vous tous. Je vous ai déclaré le psaume chapitre 23, le temps que je le trouve, psaume chapitre 23. Voilà. Cantique de David, la Bible déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que Dieu soit votre berger et que vous ne manquiez de rien. Que Dieu soit votre berger et que vous ne manquiez de rien. On me demande l'église de Dallas, allez juste sur ma page, vous allez trouver l'adresse de là où nous allons nous voir. Ne manquez de rien, que l'Éternel soit votre berger.
qu'il vous fasse maintenant reposer dans des verts pâturages. Qu'il vous dirige près des eaux paisibles, que vous viviez la paix et le repos. Que vous viviez la paix et le repos. Qu'il restaure votre âme. Qu'il restaure vos vies. Qu'il restaure vos mariages. Qu'il restaure votre santé. Qu'il restaure votre famille. Et qu'il vous conduise dans les sentiers de la justice. Non pas à cause de vos prières, mais à cause de son nom. Vous qui traversez des moments difficiles, vous qui traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous traversez des moments de maladie, vous traversez des moments où vous êtes combattu, ne craignez aucun mal, parce que Dieu est avec vous. Sa houlette et son bâton vous rassurent. Il a dressé devant vous une table en face de vos adversaires. Il a oint votre huile et votre coupe va déborder. Ainsi je déclare, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Et vous allez habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de vos jours. Amen.